Mesdames, messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue dans le titrologue de ce jeudi 16 mars 2023. Journal Fraternité Matin, Conseil SAUN à l'emploi et l'insertion socio-professionnelle. 8 millions de jeunes à intégrer dans les 10 années à venir. Le Premier ministre Patrick Hachi a rappelé hier l'objectif du gouvernement lors de la remise d'attestation de fin de formation au métier de la mer et de l'industrie à 1000 jeunes. Découvrez cette cérémonie par le journal Fraternité Matin. Grave violation des libertés en Côte d'Ivoire, affiche le journal Le Quotidien d'Abidjan. Des partis politiques françaises et guinéennes crient leur indignation. L'emprisonnement des militants du PPSCI est inacceptable. Un nom au mépris du peuple à découvrir dans le journal Le Quotidien d'Abidjan. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble. Main dans la main. Toujours aussi proche et encore plus innovant. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Terminé le point de l'actualité de ce jour avec le journal Le Nouveau Réveil. Tournée de lobbying du RHDP dans le grand centre, le blagué tué d'Aoussou et Mamadou Touré ne passe pas. Étendu rapprochement entre PPSCI et RHDP ne fait pas bonne blague. Découvrez plus d'informations dans le journal Le Nouveau Réveil. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous nos journaux en ligne via la plateforme monkios.com. Merci de votre aimable attention. Excellente journée à toutes et à tous.